Dans les épisodes précédents de Violetta, grâce à l'insistance de Violetta, Rerman engage Angie et essaie de clarifier leur relation. Eh bien maintenant, nous allons nous en tenir strictement à des relations de travail. Strictement? Des relations de travail. Même si ses véritables sentiments sont difficiles à cacher. Je n'aime pas vous voir comme ça. Si triste. Rerman, nous devons respecter notre promesse. Pendant ce temps, Jade décide d'engager un détective privé pour découvrir le secret d'Angie. C'est l'idée la plus brillante et la plus géniale pour chasser Angie. Mais Roberto découvre quelque chose. Toutes les informations concernant Mademoiselle Angie m'ont été achetées par quelqu'un d'autre. Au studio 21, Thomas n'arrive pas à oublier Violetta. J'ai essayé de me la sortir de la tête, mais j'y arrive pas. Et d'après ce qu'elle dit, elle non plus. Et Ludmilla pense à un autre plan pour séparer définitivement Violetta, Thomas et Léon. Je lui rendrai la vie impossible. À l'anniversaire de Francesca, Ludmilla fait semblant d'embrasser Thomas et Violetta s'habille comme Ludmilla. Sors la caméra et filme tout. Pour découvrir si Thomas est réellement amoureux d'elle ou s'il préfère Ludmilla. Tu es amoureux de Ludmilla? Ou tu vas encore nier que tu voulais l'embrasser? La vidéo se retrouve entre les mains de Léon. Tu te rends compte que c'est Violetta qui te fait du mal? Je n'y suis pour rien. Elle a failli embrasser Thomas. Et Léon quitte Violetta. Ça va, arrête. Violetta, ne dis rien. Je ne peux pas continuer. Thomas, pensant que Violetta veut sortir avec Léon, décide de tout quitter et de sortir avec Ludmilla. Écoute, tu te souviens de ma promesse? Eh bien, je crois que je suis prêt à essayer. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu me détestes, mais ma patience a des limites. Je suis persuadée que tu as manigancé tout ça pour que Thomas et Léon ne me parlent pas. Retrouve la suite des aventures de Violetta la semaine prochaine, du lundi au vendredi, à 18h35 sur Disney Channel.